première chose qu'on arrive à Memphis, c'est d'aller visiter la pyramide égyptienne, là. Si vous n'êtes jamais rentré dans une pyramide égyptienne, donc voilà celle de Memphis, c'est un magasin d'articles de pêche. Normalement, enfin, il y a beaucoup plus que ça quand même, mais regardez autour, c'est assez surprenant avec des ascenseurs géants qui vont jusqu'au sommet où on peut avoir un point de vue sur le Mississippi. On va aller voir d'ailleurs tout de suite. Là, on est au sommet de la pyramide de Memphis, pas en Égypte, mais Memphis, Tennessee. Donc, vous pouvez voir ici le centre-ville, la skyline de Memphis, avec ses gratte-ciels, les spaghettis d'autoroute qui vont dans toutes les directions et qui traversent le Mississippi, le gigantesque Mississippi, les ponts vont jusque de l'autre côté, donc c'est l'Arkansas, avec les très beaux ponts de métal de Memphis, et puis les bateaux à roues qui sillonnent le Mississippi en même temps. C'est vraiment un endroit magnifique. Alors, monter sur la pyramide, c'est $10 l'ascenseur pour monter. Vous avez un restaurant tout en haut, donc si vous voulez, vous pouvez en profiter pour déjeuner ou dîner ou prendre un verre. Ou sinon, c'est $10 si vous prenez juste la montée pour venir voir la vue tout en haut. Ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vraiment très très bien. Vous avez un plancher de verre sous vos pieds. Et vous avez une vue sur le Mississippi, sur toute la ville, c'est impressionnant. Cette croisière là elle dure 1h30, elle coûte que $20, donc c'est vraiment une petite croisière où on passe sous les ponts en métal, ça ressemble à des tours Eiffel allongées sous les ponts de Memphis qui séparent le Tennessee de l'Arkansas qui est de l'autre côté du fleuve Mississippi. Bon, pour ceux qui parlent anglais, il y a des histoires qui sont racontées, c'est vraiment très sympathique de suivre toutes ces histoires du fleuve Mississippi de Mark Twain jusqu'au transport de pétrole qui remonte depuis la Nouvelle-Orléans jusqu'à ici. Le fleuve, évidemment, il est majestueux, c'est le quatrième plus grand fleuve du monde et c'est quelque chose de vraiment très beau à voir. Aujourd'hui, là on n'a pas beaucoup de soleil, mais on en a eu beaucoup tout à l'heure, donc on a pu faire des photos absolument magnifiques. Voilà, c'est une petite croisière d'1h30. On voit juste le fleuve avec quelques ponts, mais c'est simplement $20. Alors, on est l'année 2019, c'est $20. Même dans 10 ans, ça devrait pas être beaucoup plus, mais c'est vraiment très très sympathique. On l'a fait en plein jour, il y en a aussi au coucher du soleil. Vraiment, c'est bien. Et voilà, vous allez sur le site Memphis Riverboat et vous allez pouvoir voir tout ça. Memphis, visiter la ville, vous serez obligé de passer par Beale Street, qui est vraiment l'artère principale, qui a été piétonnisée, c'est une rue piétonne maintenant. Vous avez les principaux clubs de blues, on a B.B. King juste ici au-dessus de nous. On a vraiment tous les clubs, bars, certains sont réservés aux adultes, hein, moins de 21 ans, et d'autres sont plutôt restaurants, et donc ouverts aux familles. B.B. King par exemple, c'est vraiment familial. Et puis, vous avez vraiment le spectacle à l'intérieur des restaurants, des clubs, mais aussi dans la rue. Les couleurs magnifiques de Memphis, c'est sur 200 mètres à peu près. Il y a une centaine de mètres piétonnes. Et puis, les rues adjacentes sont également très, très vivantes. C'est vraiment le cœur de la ville de Memphis. We'll be right back.
Le Rock and Soul Museum qui présente l'histoire des deux grandes musiques de la ville, de leur origine dans les champs de coton jusqu'à la naissance des grandes radios de Memphis et de Nashville qui dès les années 20-30 vont présenter la country music puis ces musiques noires et qui deviendront le rock'n'roll par la suite. Le musée est assez agréable, on peut le visiter en une heure, ou si vraiment on aime la musique on peut rester deux heures, parce que vous pouvez vraiment écouter sur chaque phase de la construction de ces musiques. Vous pouvez écouter plein de morceaux de chaque époque et qui vous présentent vraiment un panorama absolument complet de la manière dont la musique est née ici. Elle a évolué dans les rues, dans les clubs de Beale Street et les radios. Vous avez aussi évidemment des objets de collection ayant appartenu à tous les grands artistes, d'Elvis Presley à Al Green, à tous les grands artistes de Memphis. Nous sommes ici au National Civil Rights Museum. C'est vraiment un très très grand musée d'histoire, d'une histoire très spécifique, mais d'une histoire qui a duré très longtemps, qui est celle d'abord de l'esclavage, puis des droits civiques, de la lutte pour les droits civiques. Donc c'est un musée national qui est surtout centré sur les droits civiques. C'est vraiment un très grand musée avec énormément de pièces de ramener de toutes les villes des États-Unis dans lesquelles il y a eu des combats pacifiques ou non pour les droits civiques, le droit de vote et tous les droits des Afro-Américains, de la communauté afro-américaine des États-Unis. C'est vraiment énorme. Alors ce musée est d'autant plus chargé d'histoire. Il n'est pas ici par hasard. Il est au Lorraine Motel, ici, qui est l'endroit où Martin Luther King a été assassiné. Il a été d'ailleurs assassiné par un tireur qui était juste ici à cette fenêtre, apparemment, même si l'enquête de police est pas tout a jamais été totalement certaine. C'est donc ici sur le balcon du Lorraine Motel, là où il y a la couronne de fleurs, que Martin Luther King Jr. a été assassiné en 1968. Donc c'est vraiment chargé d'histoire. On peut donc le musée est déjà, il faut
faut au moins 2h30 pour le visiter, si ce n'est 3h. Vous passez donc à l'intérieur du Lorraine Motel, dans la partie où il y avait la chambre du Dr. King. Et vous voyez donc ce fameux sinistre balcon où l'histoire a rebondi. Elle s'est pas arrêtée là, elle a continué après lui encore plus fort peut-être grâce à lui. Mais donc voilà, c'est vraiment, on a visité le musée, c'est étonnant parce que c'est vraiment un très 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 grand musée d'histoire qui a demandé des années d'efforts pour vraiment rassembler toutes ces collections. C'est très impressionnant au niveau de la charge à la fois du patrimoine historique mais aussi de la charge émotionnelle qu'on peut avoir dans un tel musée. Quand vous en sortez, vous avez le Blues Hall of Fame juste de l'autre côté de la route que vous pouvez visiter aussi. C'est une autre histoire de Memphis, mais une belle histoire aussi, celle du blues. Presley est donc né ici, dans cette petite maison. Il est né en janvier 1935. Cette maison a été construite par son père, donc dans un quartier assez modeste de Tupelo. Graceland, c'est la deuxième maison la plus visitée des États-Unis. C'est la maison d'Elvis Presley à Memphis. Pour la visite, le parc est divisé en deux parties. Vous avez la maison d'une part et d'autre part, vous avez le centre avec le musée, le centre d'accueil, le musée de voitures aussi, les restaurants, une infrastructure assez gigantesque qui est de l'autre côté de la route. Ici, c'est cette maison historique d'Elvis Presley qu'il aimait beaucoup. Il avait dit à ses parents qu'il leur ferait construire un jour la plus grande maison de Memphis et il l'a fait. Donc voilà, c'est un monument historique, on peut dire. C'est là aussi qu'il y a la tombe d'Elvis Presley. Donc pour visiter Graceland, il faut compter au moins 4 heures. Il faut prendre des navettes pour venir jusqu'à la maison. C'est vraiment, il y a une heure de visite de la maison, mais le musée, les boutiques, c'est vraiment, il faut vraiment 4 heures pour visiter Graceland. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment quelque chose. Elvis était un monument historique et aujourd'hui toujours un monument historique, et c'est incontournable d'une visite de Memphis. On est à Graceland au Gladys Diner et on va tester pour vous le fameux sandwich Elvis, beurre de cacahuète et banane. On va vous montrer nos réactions, on va voir si c'est bon ou pas. You try first? Try? Oh my god, I'm so scared because I'm wet on it, but I might eat it. C'est bon? Good. Yeah. C'est bon. Est-ce qu'on peut en mourir ou pas? Non. Bon, à mon tour. C'est quand même très étrange. Sucré. Mais c'est pas mal. Par contre, je pense qu'il faut quand même pas en abuser. Hein. Tout abus de sandwich Elvis est dangereux pour la santé.
Il y aurait énormément de choses à dire sur Elvis Presley et la plupart des gens les connaissent. Si vous ne connaissez pas la vie d'Elvis et la manière dont il a marqué l'Amérique et l'histoire de la musique, le mieux c'est de venir à Graceland. Bon, encore une fois, hein, Graceland c'est vraiment extraordinaire. C'est cher, mais vous en avez pour votre argent parce que c'est absolument exceptionnel tout ce que vous pouvez voir ici. Donc brièvement sur Elvis Presley, c'est quand même là que c'est incontournable au niveau musical, c'est tout ce qu'il a apporté avec sa voix, hein, principalement à l'histoire de la musique. Il a permuté la musique noire dans l'univers à l'universel, il a apporté à toute la planète. Mais déjà rien que pour ça, c'est impressionnant. Et puis tout au niveau culturel, tout ce qu'il a apporté au niveau culturel, les costumes, c'est vraiment immense. Maintenant, Elvis, c'est encore bien plus que ça, parce que c'est, en tout cas, c'est mon opinion, quand même le rêve américain, l'American Dream de l'enfant des quartiers pauvres de Tupelo qui devient une star mondiale, la plus grande star de la musique qui n'a jamais existé. Il suffit de voir la galerie de disques d'or de ces centaines de millions de disques vendus pour s'en rendre compte. Hein, à Graceland, on les voit tous qui sont exposés là. Donc Elvis, c'est tout ça. C'est aussi l'histoire d'un siècle, du 20e siècle, de l'après-guerre, d'un changement de société. On passe de société paternaliste à une douce rébellion sage. C'est pas les révolutionnaires de l'Union soviétique de l'époque, c'est la révolution avec la graisse dans les cheveux, c'est la révolution du rock'n'roll. C'est sage, c'est gentil, et c'est vraiment Elvis qui a apporté aussi tout ça. Donc vraiment c'est aussi attachant pour la ville de Memphis, parce que Elvis a jamais voulu quitter sa ville. D'autres seraient partis à New York, seraient partis habiter en Californie. Elvis, c'était Graceland, c'était Memphis, c'était le sud qu'il adorait, et il avait raison d'ailleurs. Sun Studio derrière moi à Memphis, c'est un des très très grands studios d'enregistrement du monde. On peut toujours y enregistrer d'ailleurs, hein, mais c'est un tout petit studio, il était grand à l'époque. À l'époque du blues, il y a eu énormément d'artistes, de musiciens de blues qui ont enregistré ici, comme Howlin' Wolf, comme B.B. King, qui ont signé certains de leurs plus grands titres ici avec Sam Phillips, le patron fondateur de Sun Records, de Sun Studio. Et puis c'est là qu'est né le rock and roll avec Ike Turner pour le premier morceau, qui n'était pas le plus connu, c'était Rocket 88 qui avait été signé ici. Et puis surtout un jeune homme qui est venu pousser la porte une première fois en 1953 de Sun Studio, qui s'appelait Elvis Presley. Il venait enregistrer un disque pour lui-même ou pour sa maman, selon la légende. Mais en tout cas, il avait appris de rendez-vous pour un enregistrement professionnel. Mais enfin, il aurait bien aimé quand même. Mais Sam Phillips n'enregistrait que du blues. Et ce qu'il avait entendu de l'enregistrement d'Elvis Presley, ça lui plaisait pas tellement, parce que c'était pas assez classique blues pour lui. C'était la voix d'Elvis, c'était pas, elle rentrait pas, cadrait pas exactement avec ce qu'il fallait. Puis Sam Phillips pouvait pas imaginer le rock'n'roll, puisque le rock'n'roll n'existait pas vraiment encore. Il y avait juste une chanson, donc c'était pas un style de musique. Et puis un an plus tard, Elvis Presley a poussé la porte une seconde fois de Sun Studio. Sam Phillips l'a fait jouer avec des musiciens professionnels toute la journée. Ça s'est pas bien passé du tout, mais ils étaient sur le point d'arrêter quand Elvis a chanté That's Alright Mama, la reprise, fameuse reprise de That's Alright Mama, et c'est comme ça que le rock'n'roll est né, a été popularisé. Au bout d'un an, Sam Phillips a un an et demi, il a vendu Elvis Presley pour $30,000 au label RCA, parce qu'il était au bord de la faillite, et cet argent-là lui a permis de continuer et de signer les débuts de Johnny Cash, de Carl Perkins, de Jerry Lee Lewis et beaucoup d'autres dans ce studio juste derrière. Ensuite,
Ensuite, il a vendu le petit studio Sam Phillips pour en racheter un petit peu plus loin dans la rue derrière, beaucoup plus grand, qui est toujours en activité également et qui perpétue l'histoire musicale fantastique de Memphis. Your love has been so good to me, baby. Without the girl, I feel like I can't go on. It's in the first timer. Hey, there you go. All right. Thank you. Yes, sir. I haven't seen a waiver. Blueberry cake, three of those.